Nous sommes le dimanche 17 novembre 2024. Vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'infos. Le FBI arrête un homme de Houston qui aurait voulu commettre un attentat de type 11 septembre aux États-Unis. Le conseiller juridique de Trump, Boris Epstein, d'origine soviétique, pourrait devenir envoyé spécial pour résoudre le conflit en Ukraine, selon le New York Times. Le FBI arrête un agent de la CIA dans l'affaire des fuites du Pentagone. 8 morts dans la deuxième attaque de masse en une semaine en Chine. Cette fois, un ancien élève a poignardé mortellement 8 personnes dans une école professionnelle. Biden et Xi Jinping conviennent que ce sont les humains et non l'intelligence artificielle qui devraient contrôler les armes nucléaires. Alors que Trump pousse l'Ukraine à négocier, les députés britanniques affirment que le Royaume-Uni doit garantir des conditions équitables. Olaf Scholz, accusé d'alimenter la propagande de Moscou à Tchernobyl, l'amer souvenir de l'occupation russe. Les traces numériques de l'opération Doppelganger ont conduit au bâtiment du ministère de la Défense à Moscou, selon des journalistes d'investigation. Les chaînes télé de propagande du Kremlin se réjouissent de la nomination de Tulsi Gabbard comme directrice du renseignement national américain. Ça en dit long. Nous sommes entrés par effraction dans des appartements, avons dévalisé des supermarchés, nous nous sommes comportés comme des barbares. Confession d'un marin russe qui a combattu dans la région de Koursk. C'était une aiguille dans une botte d'infos et je vous dis à bientôt.